Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de iMobi. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto qui vous permettra de récupérer des photos ou des vidéos qui ont été supprimées sur Android, ce qui peut s'avérer notamment assez intéressant, mais surtout c'est quelque chose qui peut littéralement vous sauver la mise. Comment ça va se passer? Il y a trois solutions qui seront présentées et sans plus tarder, on commence tout de suite par la première méthode qui va consister à se rendre directement dans la corbeille du téléphone et ensuite de constater les photos et les vidéos qui sont toujours disponibles, car oui, même si vous avez potentiellement supprimé un contenu, et bien celui-ci partira directement dans la corbeille, et si jamais celle-ci est bien disponible, vous aurez la possibilité de bien le restaurer directement dans la galerie principale. Mais vraiment, dépêchez-vous, car c'est des choses qui peuvent disparaître avec le temps, et si jamais malheureusement ce n'est pas disponible, la deuxième solution va cette fois-ci consister à utiliser un outil qui est disponible sur PC. Il sera également dans la description de la vidéo et il se nomme DrawKit, et lorsque vous l'aurez bien sur votre PC, au lancement vous aurez pas mal de possibilités pour notamment déverrouiller un écran, contourner le FRP, nettoyer des fichiers inutiles, etc. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la première grande catégorie qui est la récupération des données perdues. Et lorsque vous serez dedans, il y a deux choses désormais qui vont nous intéresser. La première, c'est la récupération rapide qui vous permet de récupérer 13 types de contenus. Ça peut être des photos, des vidéos, des audios, mais aussi des pièces jointes, des documents et ainsi de suite. Et vous allez simplement choisir donc les photos et les vidéos et bien cliquer sur commencer. Et si malheureusement vous n'arrivez pas à trouver le contenu qui vous intéresse, vous avez une deuxième possibilité qui est la récupération profonde qui se fait avec Roots. Et ainsi, vous aurez la possibilité de récupérer davantage de contenus en profondeur, notamment au niveau des photos et des vidéos. Vous l'aurez bien compris, vous aurez bien la possibilité de récupérer, même si les photos et les vidéos ont été supprimées de manière complètement définitive, tous ces différents contenus. Mais si vous voulez un conseil, faites-le vraiment le plus rapidement possible pour maximiser vos chances de récupération et donc aussi ne pas perdre les souvenirs, etc. que vous avez dans la galerie et qui ont été supprimés. Pour continuer, la troisième méthode va cette fois-ci consister à récupérer ces photos et ces vidéos directement sur Android grâce à Google Photos. Si jamais vous avez la sauvegarde automatiquement activée, il vous suffira donc de vous rendre sur le site photo de Google et ensuite de vous rendre directement dans les photos qui sont disponibles. Mais pour cela, évidemment, il est important que la sauvegarde automatique avec les photos se fasse, sinon malheureusement ils n'apparaîtront pas ici, et la plupart du temps, on sera d'accord, on n'y pense pas spécialement. Donc la méthode qui vous sera la plus efficace, c'est évidemment la deuxième avec DrawKit, et comme je vous l'ai dit, le lien pour l'obtenir sera dans la description de la vidéo. Mais normalement, grâce à ces trois solutions qui ont été présentées, vous allez bien réussir sans trop de difficultés à bien retrouver toutes vos photos et vos vidéos qui ont été supprimées. Moi maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, mais aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Bon, maintenant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde.